bien fermé la porte, on avait pas mal d'occasions. Grenoble a accéléré, on a vu au début des demi-temps. Et Atterri a empêché Grenoble d'espérer. Hein. Ouais, à la fin, il a fait un super save. Ben, ça fait plaisir, ça met en confiance pour le reste, donc c'est plutôt bien. Bon, donc au mieux, Rethel se rapproche d'Angers, on verra ce qui se passe ce soir. Et le premier match retour, enfin, le premier match de la phase retour, les objectifs de Rethel. Bah, on a fait deux faux pas en première phase, on espère encore en faire en deuxième phase pour rattraper Angers. Ça nous tient vraiment à cœur d'être premier pour si jamais on atteint les finales pour aller recevoir chez nous. Donc, voilà. Merci beaucoup, bon retour. Bon retour. Bon, Jérémy Laprézin, du coup, a priori, le match s'est un peu joué en première mi-temps. Vous êtes revenu vraiment avec de l'offensive en deuxième mi-temps, mais ça s'est pas passé. Ouais, je pense que pour un match de reprise, c'était un match compliqué. Eux, ils ont vraiment commencé très très fort. On a eu du mal à se mettre dans le match. C'est dommage, du coup, on se prend deux buts direct et on court après le score tout le match. Donc on commence vraiment le match en début de seconde période où là on a vraiment d'autres intentions et on a su faire jeu égal avec eux, je pense. Mais bon, c'est un bon match de reprise, il faut qu'on travaille sur cette deuxième mi-temps et qu'on essaye de rectifier ça et qu'on soit aussi intensif sur deux mi-temps. Qu'est-ce qui s'est dit à la mi-temps? C'est que du coup on a bien vu qu'il y avait beaucoup plus d'intensité en reprise de deuxième mi-temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, bah on s'est dit que voilà, on n'avait rien à perdre. Moi je l'avais dit avant le match, de toute façon, voilà, ce match on le perd, c'est pas grave, c'est pas un faux pas. Maintenant on est là pour travailler, donc on est reparti pour se faire plaisir avec d'autres intensités, d'autres intentions, en essayant de ne pas avoir peur, parce que je pense qu'on a eu un petit peu peur d'eux en début du match. Après la reprise, là, physiquement, on n'est pas encore au top. Donc on est... Alors j'ai trouvé en effet que Grenoble était vachement reculé, les quatre joueurs vont vraiment bas en première mi-temps. Et ça a permis aux Rethelois de pouvoir rentrer assez facilement et de pouvoir prendre des rebonds. Mmh. Et vous, par contre, vous n'avez pas réussi à vraiment sentir parce que vous étiez acculé dans votre coin. Est-ce que vous n'avez vraiment pas fait en deuxième mi-temps et le jeu était plus ouvert en deuxième hein. Ouais, c'est le problème, c'est que dès qu'on a peur, on est un peu loin d'eux et du coup, dans les duels, on n'est pas là. Et du coup, ils ont vraiment gardé le palais tout le temps et on n'a pas joué quoi, cette première mi-temps. Il y a une grosse action en premier mi-temps où vous avez fait vous le pressing et ça a failli derrière donner, donc il fallait vraiment pas avoir peur d'eux quoi. Une des rares actions en première mi-temps. Bon, allez, donc la suite c'est. C'est Paris à Paris. Paris à Paris, donc à l'aller défaite. Donc vous connaissez les joueurs. Donc il faut rattraper cette défaite là-bas. On va l'en gagner là-bas. Ok, bon bah bonne chance et on se revoit bientôt. Merci.